je crois, surtout parce que il faut faire l'initiation et il vaut mieux peut-être qu'on la fasse séparément. Enfin, je sais pas, après c'est. Tant que je choisis ma coupe de cheveux, t'inquiète pas, t'as le temps de devenir un prince et des princes vampires là. Toi aussi, tu vas faire le mec barbu qui a passé trop de temps dans son truc. C'est ça, je voulais vraiment faire ça, putain. Non, parce que je vois ce que t'es en train de faire sur le déco là, et je me dis oui, bah ouais, c'est ce que je pense. La je voulais faire RP. Des joueurs a dû faire ça. Mais oui, mais en fait, je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai, parce que en plus, ils ont mis le miroir et tout, donc on peut changer de coupe de cheveux et tout. Donc, du coup, j'ai joué RP. En fait, non, je vais jouer RP du coup maintenant, c'est bon, c'est cramé quoi. Bon. Alors, hop, je ramasse 2-3 ressources, même ouais. Si ça sert pas à grand chose pour le moment. Avec les lunettes de Van Helsing. Je crois que tu peux avoir la coupe de Blade. Chauve. Non, en pointe, ce genre chelou, c'est une sorte de pointe chelou. Là, tu vas te faire une petite moustache. Ah oui, putain, j'ai un flashback, c'est bon, ok. Et ouais, moustache, bien sûr. Ah, il faut que je lui trouve un nom. Ah, hop. Alors, voilà, petit rappel pour ceux qui n'ont pas compris et qui se demandent un peu ce qui se passe. Du coup, on joue un vampire et on. Il fut à une époque où. Du coup, à une époque où en gros, les vampires dominés se sont fait chasser par les humains. Et donc là, en fait, on se réveille quelques siècles plus tard, je sais pas combien de temps d'ailleurs, ils l'ont pas précisé, je crois. Et en fait, là, le but c'est d'appliquer notre vengeance à ces malentrus qu'on appelle humains et qui est en fait sont des réserves de sang. Oui, toi tu les appelles humains, moi je les appelle des monstres. Ils nous ont tous tués. Ils nous ont volé le travail. Ça va, l'interface a pas changé à comparer. Parce que oui, comparé à Melka, moi c'est la première fois que je découvre le jeu. Enfin, en mode final, hein, parce que. J'ai quoi? J'ai littéralement. Ouais, j'ai à peine 12 heures de jeu des alphas, des bêtas de l'époque. Salut Chevaliac, j'espère que tu vas très 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 bien. Bonsoir. Et que tu as profité de ce magnifique stream en compagnie de Tokusha. Bonsoir. Bonsoir. Oui, t'avais joué à la bêta, toi. Ouais, comme je t'avais dit, c'était vraiment l'époque où il n'y avait pas les escaliers. Donc pour les gens, ça va être en mode, bah, d'accord, ok, c'est normal. Sauf qu'à l'époque, si, il n'y avait pas d'escalier, c'était très contraignant. On savait pas quoi faire, en fait, c'était un peu nul. J'avoue que c'était pas... En fait, quand tu construis, donc, parce qu'il y a un système de building, de farm, machin et compagnie, et en gros, on peut construire son propre château. Oui. Et là où, en fait, c'était un peu contraignant, c'est que du coup, c'était pas un espace prédéfini, parce que c'est comme ça que ça marche. Un espace prédéfini pour construire ton château, et tu te retrouves un peu bloqué parce que du coup tu n'avais aucune possibilité. Bonsoir Emilien. De mettre d'autres éléments. Alors le début du gameplay il est pas ouf. Parce qu'il se résume à je tape et je prends des rats. Ouais, c'est ça. Donc ça t'est sorti? Ouais, par contre, faudrait juste que tu m'expliques comment ça marche le système de sang, etc. Parce que ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Alors en gros, pour la faire très courte, ils vont te l'expliquer un petit peu. Mais en fonction du sang que tu vas prendre, tu auras des bonus différents. Et en fait, les ennemis n'ont pas les morts vivants parce que bah, ils sont morts. Tu vas en fait, par exemple, t'as brut, guerrier, archer et compagnie, et ça va donner des bonus différents. Et t'as aussi le. Quand ton sang est propre, le sang propre de l'ennemi, en fonction de ce degré-là, tu vas avoir des bonus plus ou moins élevés. Donc si tu prends un gars qui est à 11% guerrier, son sang est, bon, on va dire que c'est plus ou moins sale, mais du coup, tu auras un bonus plutôt faible. Et inversement, si tu prends un gars... Oui ? Non, oui. Mais comment tu fais du coup pour augmenter ce rang ? C'est ça que j'avais pas compris en fait. Comment tu fais pour... Enfin, alors, tu le peux pas l'augmenter, sauf plus tard en prison. C'est pas vraiment un spoil, c'est juste que tu... peut faire de la manipulation sanguine, mais au début tu peux pas vraiment, il faut juste que tu surveilles au-dessus de la barre de vie des ennemis à chaque fois leur rang. D'accord, ok. Alors hop,
Moi je vais augmenter. Et oui, effectivement, quand tu fais la carte, je sais pas si tu joues au clavier ou à la manette. Clavier, clavier. Et ben tu vois qu'on n'est pas du tout dans la carte du monde, donc pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on finisse le tuto pour ensuite se rejoindre. Ah, ça a changé, d'accord. Non, ça c'est comme ça, bon, je sais plus. Déjà l'interface elle a changé dans l'inventaire, mais du coup ça me perturbe. Et ouais, je suis un vieux de la vieille, moi. Je joue à Harry Potter sur PS1, ouais. Moi j'ai connu les bugs. Les vrais, les seuls et uniques. Ah, faut que je touche des ennemis, ok, avec le sort. Ah, parce que du coup, il y a différents types de sorts et ça, on verra. Mais je pense que ça. Mais c'était là la première version des Ouais. différents éléments. Dis-toi que ben, j'ai joué, c'était avant la mise à jour de Frankenstein. Enfin, la créature de Frankenstein. Oui, je vois, Donc on était je littéralement en mode, ben, ici t'as un mec, là-bas t'as un mec, et c'est tout. N'oublie pas, si jamais ton sang est trop bas, en fait, si tu vas arriver à un stade où tu vas perdre de la vie tout seul. Ah oui, faut manger des rats, c'est ça? Alors les raies, ils te rapportent rien du tout, mais ils permettent de reset ton sang, donc c'est pas dégueu. En utilisant rite du sang, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok. C'est le bouclier. Qui est d'ailleurs assez beau à voir, je trouve. Ouais, l'effet est pas mal. Ouais, je crois que je l'avais dit que c'était. C'est des anciens de. Enfin, c'est des anciens de League of Legends qui ont bossé sur le jeu. Bah, je vois un petit peu l'influence, sincèrement. Alors, je vais mettre un peu plus le son du jeu, puisqu'on n'entend rien du tout. Tac, tac, tac. En profiter du coup vu qu'on est dans le thème, donc du coup je vais forcément poser des questions comme ça. Que penses-tu du film Van Helsing? Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Parce qu'à l'époque, pour moi, Hugh Jackman, c'était Wolverine. C'était Wolverine, ouais. Ça a toujours été. Attends, juste une question, gauche ou droite? Droite. Droite, ok, c'est au point de départ. Et je sais pourquoi tu votes en politique. Et du coup, je disais... Hein, quoi? Allô? Je vois pas de quoi vous parlez. Merci Rémilien. Merci Rémilien, c'est superbe. Ici, là, il Et a toi trouvé. aussi, tu es très, très... Il a dit j'étais beau. Et ça me fait grandement plaisir. Ouais, j'ai presque envie de pleurer, tu Les chiales! vois. La 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 la! Oh putain, tu m'as fait peur! Ah ah! Mais aouh! Ah, attends, quoi? Ah mais c'est tout! Ah ouais, mais tout va bien alors. Tout va bien. Mais il y a zéro dégâts, c'est nul. Ah! Ah si, mais je sais pourquoi. Parce qu'on a le bouclier, je crois que ça nous protège pour le moment. Ah, je vais vérifier. Vous pouvez ni recevoir des Je dégâts, ni vérifie. rien infliger. Oh non! Et désactivez si vous avez PVP dans le chat. Bon, on va pas le faire. Va le faire? Non, 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 non. Pas Mais le en plus, je pense qu'au départ. début, il faut qu'on construise notre truc et tout. Oui, voilà. On est vraiment en full explo et après, peut-être plus tard, au level, on se casserait la gueule. Mais là, pour l'instant, on est tranquille. Qu'est-ce qu'il nous faut? Plastron, machin, il faut faire de l'artisanat. Oui. Hop, Et c'est hop. indépendant, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est chacun fait son truc de son côté, c'est ça le truc. Ouais. Il faut de la peau Mais non, résistante. mais après, si on construit un château à deux. Ah oui, non, on sera dans le même clan, oui, mais je veux dire que les objectifs, les missions, etc., c'est... Alors tu vois par exemple, tu vas buter la bête et il y a un pourcentage au-dessus. Ouais, oui, ça oui, je m'en souviens, ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai pas fait. Ouais, je t'ai écouté, Attends, les ressources sont pas partagées? J'ai pas l'impression. Oh, ça va, on va se battre! Non, mais après, en vrai, c'est pas si grave parce que s'il y en a un qui fait un peu d'explos et l'autre qui fait autre chose, Ouais. c'est-à-dire qu'on peut se diviser les tâches, donc c'est Non, pas ça c'est dégueu. cool, ça c'est cool. Niveau d'équipement. D'augmenter votre niveau d'équipement a une incidence directe sur les dégâts que vous infligez, mais également sur ceux que vous subissez. C'est le but d'un équipement, donc merci, merci pour cette info. Le savais-tu? Avec des On sait chaussures, tu jamais. peux marcher facilement. Ah bon?
Mais pourquoi? Eh ben c'est très simple, Jamie. Alors aussi, petite astuce, comment savoir que le sang d'une créature est beaucoup plus balèze? Attends, je crois qu'on s'est perdu. T'es où? Je suis à côté d'un puits de sang, la fin d'un téléporteur. Ah oui, ok, t'es derrière toi. Je suis un bellâtre de lumière dans l'obscurité avec une grosse massue. Ah, tu t'es crafté une massue? Massue pour la quête, ouais. Ah, oui, effectivement. Y'a pas une histoire, il faut être dans le même clan pour se voir, un truc comme ça? Une histoire pour être dans le même clan. Ouais, non? Je ah, crois tu bien. Veux dire que nous, on doit être dans le même camp? Ben ouais, je te préviens, c'est juste la première fois de ma vie que je joue en multi sur V-Rising, hein. J'ai toujours été solo. Donc là, je découvre le mode multi. Hein. Parce que je sais qu'il y a un système de partage de sang, en mode je peux te donner de mon coup, un truc comme ça. Ouais, tu peux réanimer les gens, ou ce genre de choses. Ce qui est plutôt bien et qu'on devrait peut-être surveiller. Attends, toi, t'es par là. Ah, t'es là, t'es là. Tu descends, ok. Okay. Attends, ils me disent HDOS et machin. Non. Oh, j'ai assez. Ouais, j'ai assez. Apprends de mon sang. Ah bon? Mais je vais pas te tuer? Non. Je te partage mon pouvoir là. Là, t'as 6% de loup du coup. Pas mal. C'est pour ça que je t'ai dit ça, qu'il y avait un système de partage et tout. C'est bien ça pour le coup. Alors pour les gens, sachez qu'en fonction des armes que vous avez dans vos mains, ça infligera plus ou moins des dégâts et vous récoltez plus de ressources selon ce que vous tenez. Donc une hache pour le bois, une masse pour la pierre, une épée pour la végétation. Et je crois que c'est tout. Ah oui, et une lance pour faire plus de dégâts aux créatures. Ah bah si tu reviens, je t'expliquerai le but du jeu juste après, Amir. Récupère la pierre, clac, clac. Et éliminer les êtres vivants pour donner leur essence. Ok, bah il est temps de glouglou. Hein. C'est moi, on a soif. Je te l'ai tué pour toi. Ah, il fait chaud. Attendez, où est-ce qu'on va? Carte. Petit. Ah, ça, je m'en souviens plus que la région était grande quand même. En vrai, la carte elle est grande. Oh, diantre. C'est chaud, hein? C'est très très chaud. Voilà. Ah. C'est pas une zone de. Le cercle qu'il y a au-dessus là, camp des bandits. Ah, ben voilà, on peut y aller. Ouais, c'est une petite zone. Alors pour installer ce château, je te dirais où est-ce qu'on va s'installer parce qu'il y a une zone. Le truc, c'est que si on est trop bas. Voilà, mais comme toi. Si on est trop bas, on va pas. On va mettre trop de temps à faire des allers-retours en fait, ça va être ultra horrible. Ouais, t'inquiète. Il faudrait qu'on s'installe un peu haut, mais il faut pas qu'on soit trop haut parce que sinon les ennemis sont peut-être trop forts. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, 9%. Je vais en fonction. J'ai 66% si tu veux le prendre, tu peux. Non, vas-y, je prends le 9%, vas-y. Soit. Je vais le prendre. Ah oui, je disais l'astuce pour repérer au loin les bons sangs, les bons groupes sanguins, c'est quand tu vois autour de tes ennemis une sorte d'aura rouge. Ah, ok. Et en fait, ça veut dire que le mec il fait facilement 90%, voire 100%. D'accord, ok. Et il commence à avoir aussi des bonus, c'est quand tu fais, là, je sais pas, mais peut-être inventaire. Et là, tu vois, il y a marqué réserve de sang en haut. Oh. Sanguine regeneration. Voilà. Hop. 35 sur 50, donc il reste pas beaucoup. On récupère. Le pollen c'est important. Oh shit! Voilà, et soleil. Du coup, je peux t'inviter du coup. Je vais mourir. Hop, tout va bien. 100% pour. Ah, oh, mais j'aurais dû y penser à la virgule, enfin l'apostrophe dans ton nom, putain.
J'ai mis un espace, il voulait pas me prendre. Attends, comment c'est quoi le menu social? Je suis allé sur échappe, moi, et social tout en haut. Ah, et là je te vois du coup. Ah, voilà! Parfait! Nickel. Hop. Ah, bah oui, on se voit sur les cartes, c'est mais parfait ça. Ça y est. Vous savez qu'il y avait une histoire comme ça. Ah ouais, mais en fait, c'est une catastrophe, on est sous le soleil, c'est pas ouf. Tu vas voir. Pas sûr, t'es un peu en PLS, hein. Ouais, c'est pour ça que... Ah, mais il me crache dessus, je comprenais pas. Attends, je te run. Je ne ressens pas la douleur, je ne ressens que la tristesse et la haine du monde des humains. C'est chelou, hein. Ouais. Non mais t'inquiète, voilà, c'est bon. Ah, mais j'ai du poison. Tu es par piège à humain niveau 30. Ah, bah tu m'étonnes que je suis pas... Tu m'étonnes que... Attends, je vais récupérer ton sac, du coup. Ouais, non, 45 minutes, c'est bon, c'est à côté. Non, mais comme ça, on a les ressources, on les perd pas. Ah, j'enchaîne les succès depuis tout à l'heure, hein, comparé à certains. N'est-ce pas Ouais, quoi, qui, oui, hein, quoi, qui ah, là, le succès, ah ouais, de ouf. Est-ce que ça ira pour venir jusqu'à moi ou pas? Oui, facile. On n'a pas débloqué la monture pour l'instant. Enfin, l'aspect du... Je savais même pas qu'il y avait un cheval, tu vois, donc tu... Bravo. Non, mais après, il y a d'autres montures, je sais pas, moi. L'aspect du loup, je parlais. Les transformations. Ouais, j'appelle ça une monture. Ouais, ok, je pensais que tu me parlais d'une vraie monture, tu montes dessus. Non, je sais pas, sinon j'aurais dit dragon. Ça rien à voir. Mais il y a un dragon justement plus tard à débloquer dans le jeu. Hein? C'est vrai? Je sais pas, j'ai pas fini le jeu. Ouais, ça se trouve, il y en a vraiment un et je dis ça comme ça de façon très random. Ça, il m'a posé la question la dernière fois. Ouais, j'ai pas trouvé la région de machin. Mais il faut peut-être se cacher sur la map. Ouais, mais j'ai fait toute la map, je comprends pas. Tu peux me donner des essences sanguines, s'il te plaît? Oui, attends, comment je vais. J'adore la position qu'on a tous les deux en mode. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Dio Brando. Nice. Je peux faire un cœur de château. De château, parfait. Mais attention, on le construit ensemble, non? Parce qu'on est dans le même clan. Bah ouais, du coup, maintenant, ouais. Alors, je te propose qu'on va se rapprocher le plus haut possible pour être proche de la zone qui est terre agricole de Dunley. Mm-hmm. Comme ça, attends, je sais pas si. Tu vois mon marqueur sur la carte ou pas? Alors, attends. Ah, c'est ça là, le point, d'accord, ok. Ah oui, c'est vraiment sur la bordure, ok. À la bordure, à côté d'un lac ou d'une falaise, je sais pas ce que c'est. Mais ok, on va aller là, ok. Allô? Salut, Raps. Ah, pardon. Autour de moi, ça flâne. Et autour des autres, ça flâne aussi. Ah, ça flâne pour moi. Oh, 1%. 61%. Ouais, je le prends. Vas-y. Que le 1%, je te cache pas qu'il me... Voilà. Il fait la différence. Oui. Oh! Ah, t'as bien son cœur? Oh! J'en ai pas besoin, j'en collectionnerai d'autres plus tard pendant la guerre! Oula, alors ça on va se faire démonter si on l'affronte. Et quoi, y'a un golem? Oui. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Un amas cadavérique. Ouais, une chose affreuse et pas terrible. Et ça, c'est dans la nouvelle version, la première fois que je le vois lui. Non, ça a été dans la bêta, mais je crois que c'est venu juste après. Ah, okay. Frankenstein. Ok, voilà. Jusque-là, pas vraiment de spoil. Non, bref, vraiment, à part les escaliers, je connais rien d'autre du jeu. Ok, bon, en somme, ça a pas tant changé que ça, il y avait pas mal de nouveautés, mais tu vas vite te repérer. Oui. Ok, qu'est-ce que. Tac, on y est presque. Alors, ce que j'aime bien, c'est que toi, tu passes à côté, eux, ils me voient tous en mode Ah, un vampire. Niveau 18. Même l'élan, je peux pas taper, il est niveau 16. Ah ouais, d'accord, mais tu nous emmènes où, là? T'inquiète, ferme les yeux, fais-moi confiance. Oh. Trop longtemps que je ferme les yeux dans ce bas monde. Ah, super, il y a un triant.
Oh bah parfait. Ah, où ça? Ben Il est où? là, juste là. Il y a un gros élan. Oh, niveau 16! Ben, ton fameux niveau 16, il a plus de vie. Ah, tu vois l'araignée? Ouais. L'araignée qui est là-bas, elle a un truc rouge, c'est-à-dire que... Oh là, ça me chargeait. Et bah, c'est-à-dire que son sang il est à 100%. Oh! Attends. Et donc... J'ai tué l'élan. Je lui fais zéro dégâts. L'araignée n'en a rien à Moi, foutre j'en ai fait dessus. 3. Je fais 3. Ah! Oh! One shot! Mais non! Non, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Non, 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 non! C'est pas un peu de la merde ce que je viens de faire là? Si, c'est un peu de la Non, merde. non, mais fuis, 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 le point de réparation il est à côté, c'est bon. Ah bon? Oui, Ah oui, oui, parce oui. que t'as. Je suis mort 2 fois. Tu as un portail! Je suis mort deux Oh oh! fois, c'est magnifique. Non, non, non! Non! Ok, j'ai dodge l'araignée. Je dis bonsoir, Raps, je me souviens plus. Bonsoir, Raps. La psy qui est actuellement en train de flâner. Ok, je viens de trouver un bel espace. Faudra juste flinguer un élan, mais tout va bien. Ok. T'as récupéré mon stuff, hein? Oui, j'ai récupéré ton stuff. Ok. En fait, je suis une mule depuis tout à l'heure. C'est magnifique. C'est moi le serviteur. On n'a pas besoin d'humains. C'est moi le serviteur du vampire. Alors aussi, sache aussi une chose, quand tu es en combat, tu ne peux pas régénérer plus que tu as de barres noires. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Barre noire. En gros, quand tu vas subir des dégâts, un peu à la manière des araignées, en fait, tu as une barre noire. Ouais. Et en fait, cette barre noire, c'est ton maximum de vie que tu peux récupérer en te soignant durant le combat. D'accord. Ok. Donc là, si le loup t'attaque, tu vas avoir une petite barre noire. Et Ah oui. en fait, il n'y a que ça que tu pourras te régénérer. Ok. Donc il faudra que tu attendes de sortir du combat pour pouvoir te régénérer full. Ok, bon. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Nous allons placer le cœur du château d'Antre. Ouais, je les ai vus. Il a rapporté ses potes de Saint-Denis là. Ils veulent faire le Allez! push. Oh là là. N'hésite pas à vraiment les exécuter hein, parce que quelquefois quand on a un nombre d'ennemis qui est on va dire proche de 100, ça fait toujours du bien d'exécuter de temps en temps. C'est plus rapide, ouais. Est-ce que tu me vois construire ou pas? Pas du tout, je vois pas du tout. Ah oui, si tu parles de fantôme ou quoi, enfin de fantôme de construction, non, je vois rien du tout. Ouais, ok, bah c'est pour savoir. Okay. Bah du coup, j'allais mettre la base ici. Oh! Le cœur du château. Oh oui. Donc là, le château il tient 55 minutes. Voilà. Mais ça, on est d'accord que c'est que pour le mode PVP, c'est pas pour le mode PVE. De quoi le château? Le truc de... Le château tient la protection, c'est ça? Ah oui, en fait, c'est en gros. Si tu ne mets pas de sang dans ton château, le château il s'écroule et du coup, t'as plus de maison. Ah, d'accord, ok. Donc il y a un vrai gameplay, ok. J'ai toujours cru que c'était pour le mode PVP. Le JCJ Vampire est activé. Oh. Oh, du coup. parce qu'on est dans le même clan. Oh. Ah, j'ai vu tes rêves s'envoler. Le vampire qui s'approche de l'eau. Tu cherches quelque chose, me Dimitri? Attends, je crois que j'ai fait tomber quelque chose par terre. Tu veux me le récupérer, s'il Il tombe en avant avec les pieds dans le dos. Oh, oups, excuse-moi. Non, mais tu sais qu'on est sous le même cran, la même protection. Ça ne marche pas. Ah, oh, si c'est vrai. Excuse-moi, Dimitri. Non, t'inquiète pas, Dimitri. Construire un cœur de château. Ah, et interagir. Oui, mais d'accord, je suis un peu lent d'esprit. Placer de sol, ok. Alors, ça va être très sommaire. Oui, mais t'inquiète. Hein. Moi aussi, il faut que j'en fasse 3, donc. Hop. Et du coup, tu peux construire au même endroit là où je construis ou pas? Pas du tout, non, non, ça le. Sol régulier. Ouais, il y a ton nom à côté. Et du coup, Donc 3. voilà. 1.
c'était ça. Attends, comment c'est quoi déjà? H. Hâte d'avoir des armes en diamant pour découper plus vite. Je sais que je m'en souviens même plus, c'est quoi le niveau max que j'ai eu, enfin de l'armure ou quoi, je m'en souviens plus du tout. Bah en jugé de du niveau des ennemis, je crois que tu vas jusqu'à 90. Ah, bon c'est pas intéressant. Parce que, en vrai, je dis ça parce que dans le menu où c'est quand je t'ai proposé de partir avec un loot de départ. Ah oui c'est vrai, tu as expliqué, ben, en fait, ouais, il y avait le... Bah justement il disait que tu pouvais partir avec le loot Dracula et c'est 90 apparemment. Donc oui, on s'est fait spoil, mais c'est pas un, oui, voilà, un gros spoil entre guillemets. C'est comme dire dans Game of Thrones, il y a des gens qui meurent, donc c'est pas vraiment un spoil. C'est juste quelque chose qui va arriver, quoi. Et voilà, on sait pas quand, on sait pas qui, mais ça arrive. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du monde. Ah oui, mais oui. Il y a tous qui sortent. Genre, je deviens le Homelander quand je fais mon rite du sang. C'est vrai que c'est la même posture. Ah, peut-être un futur DLC, collab. Mais en plus, je dis pas de conneries, mais l'acteur qui fait le Homelander, il est prévu qu'il fasse un film Dracula. Mais non. Si, il y a. C'est le sujet à discussion, je sais pas où ce que ça en est, mais ça a été rumeur pendant très longtemps et ça a été confirmé. Que l'acteur de Homelander de The Boys va jouer Dracula. Le comte Vladimir. Ouais. Cercueil de bois, petit coffre et brasero. Ok, je m'occupe. Ouais. J'en mets deux. Enfin, non, mais faisons un seul, je vais en faire un moi aussi. Ah, ok. Ouais, rappelle-toi qu'on avait une mission, ouais. Par contre, je comprends pas pourquoi ça a pas compté pour le cœur de. Le cœur du château. T'as interagi avec ou pas? Ah, non. Ah, attends. T'as interagi avec pour. Je vais voir ça de suite. Bah, je pense que si, parce que c'est toi qui as mis le sang. Peut-être. Attends, je crois que le jeu est cassé. Ouais, cassé. Bon après c'est pas grave, si on doit faire, là c'est des coffres, c'est pas les cœurs de château ou quoi. Oui. Bon. Non, il faut que je crée moi-même. Bon, pas grave. Ah. Un petit circuit. Attends, tu as fait cercueil en bois, d'accord, ok. Oui, j'ai que ça, il y a que ça en premier. Ah bon? Après si tu veux faire autre chose. C'est sûr? Dracula dans un Blade. Dracula dans un Blade. Oh, attends, what? Quel Blade? Et salut Edmond. Même si tu n'es pas très loin. Attends, t'as pas le même coffre que moi? Le même cercueil que moi? Comment ça? Eh ben regarde. Tu l'as pas celui-là? Bah non. Attends, t'as vraiment le truc basique? Mais comment ça se fait que je suis là moi le... Alors comme ça on est premium. Bah ouais, Ubisoft Partner, t'as vu. Mais je comprends pas, attends, j'ai pas de DLC pourtant. Je comprends pas, ah, si d'où ça sort cette thune. Anti Night Castle. Attends, j'ai des trucs en plus, c'est quoi ça? C'est quoi ce DLC? Oh mais wesh. C'est quoi ce coffre? Oh, je peux avoir des bougies en citrouille, je peux avoir des vitraux chauve-souris et il date de quand ce DLC? C'est quoi ce truc? Alors, juste que tu le saches, il faut que tu aies les ressources sur toi pour construire les trucs. Ouais, je sais. C'est donc, du coup, ça. Alors, si ça sert à quelque chose à mettre dans les coffres, mais tu peux pas me mettre dans le coffre et ensuite espérer que les ressources elles tapent directement dedans pour construire ça, que je veux dire. T'as un DLC qui est gratuit au cas où, hein. Du coup, c'est celui-là. Ce contenu additionnel sera disponible du 24 octobre et pourra être récupéré jusqu'au 7 novembre 2022. Donc dis-toi que j'ai le jeu depuis 2022. Mais ouais, c'était un truc gratuit et du coup après ils disent, c'est quoi? Après vous êtes connecté et réclamez votre DLC, sera disponible toute l'année ayant un... Ouais, c'est juste... Ah oui, un DLC gratuit. Ouais, ah, c'est un petit truc gratuit. Ouais, c'est gratuit, c'est pas cher. C'est pas cher. Oui. Bon, t'as de la chance. C'est du gratuit, je vais pouvoir. Tu crames. Eh, hey, prince des flammes, t'as la queue qui crame. Oh shit. Un bras zéro de brume, du coup. Domination, ah oui, c'est vrai.
Alors le bras zéro, ça va te servir à te cacher du soleil. Mais je crois que tu l'as dans la version base. Oh, je sais, t'inquiète. Il est là, hein. Juste que j'essaie de trouver un bon emplacement pour le mettre pour que ça soit bien droit. Alors, Établi simple. je vais le mettre là-bas, tiens. Voilà, au moins ça fera une. Est-ce que ça te dérange que tu fasses tous tes trucs, c'est quand tu construis machin, etc. Mais qu'ensuite on détruise pour mettre pour garder les ressources. Attention, tu crames, tu crames, Ah tu non, crames. oui, y a pas de souci, oui, tu veux qu'on enchaîne les missions en fait. On Ouais, s'en c'est ça, fout. qu'on enchaîne les missions, mais juste qu'on crame pas trop les ressources Oui, bien sûr, à bien construire sûr. deux fois la même Oh, chose. oui. Après, pour le peaufinage, etc., ça sera pour plus tard, oui, y a pas de souci. C'est toujours comme ça au début à chaque fois, de toute façon. Donc, ça, on le met là. Ah oui, d'accord. Ah, hop. Là. The wood. Une série. Je fais un peu de planche pour plus tard. Sur un établi. C'est quoi ça? J'ai construit une Ah. série. Il est bête le jeu? Ah non, c'est Ça bon. t'interagit juste avec, je pense. Ouais. Ah, il y a des trucs en plus. Ça c'est pas mal ça. Augmenter son niveau, machin, gna 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 gna. Ah oui, parce qu'il faut faire l'établi. Ah mais là au moins c'est plus clair hein, comparé à avant. Là au moins il te précise bien que si ton établi dans une pièce d'un château ou quoi, selon le mur et tout, ça a plus d'efficacité. Ça c'est cool. Ouais, du coup, il nous faudra le sol. Alors, une pièce fermée, c'est un bonus, et le sol en Aïe. plus, c'est un bonus aussi. Oui. Après il faut que ce soit la même chose ou pas? Le quoi? Je suis en train de cramer en même temps. Ouais, c'est pour ça que je suis en dessous de... Ah! C'est horrible. Alors, j'aime bien le système de soleil, mais il est horrible. La vie quotidienne d'un vampire, hein. Enfin, quoique, Du coup. non, puisque Vlad Dracula, il subit... Alors, j'ai jamais compris, en fait. Parce que la version de Dracula de Coppola et de Bram Stoker, Dracula, il subit le soleil, mais il perd ses pouvoirs. Bah, je pense que c'est un peu à la manière de Superman en fait. Ah, ouais. Donc tu peux voir le soleil et t'amuser et tout, mais t'as pas le droit de faire mumuse en fait. Et là je pars du soleil rouge pour Superman et le soleil jaune pour Dracula. Évidemment. Évidemment, Et je... rien à voir avec True Blood, hein. Quelle arnaque cette série, je te jure. Déjà Pourquoi? d'être une pâle copie pour de vrai, hein. Alors, le truc c'est que j'ai jamais fait le JDR, mais je me suis toujours intéressé aux jeux vidéo. J'ai toujours aimé les jeux vidéo de Vampires The Masquerade. Donc, du coup, je connais les clans, comment ça se forme, etc. et tout. Et bien sûr, tu penses bien que je rêve de faire un JDR de Vampire Masquerade. Mais quand j'ai vu True Blood et qu'on m'a expliqué qu'il y avait un système de clans, etc. et tout, j'étais en mode, bon, une série sur les vampires, ça peut que me plaire. Je te jure que c'est vrai. La série, c'est un plagiat complet de Vampire Masquerade. Et les producteurs sont en mode, de quoi? Les jeux de rôle? Ah non, non, on ne connaît pas du tout. Oh, sûrement une pure coïncidence. Non, arrêtez les gars, arrêtez. Les giga Tellement menteurs. menteur qu'en fait le True Blood, c'est une... Tu l'apprends dès le début dès le premier épisode, le True Blood c'est une boisson vampirique pour les vampires qui du coup puissent boire du sang synthétique. Genre le truc qui est pratiquement impossible à faire dans un monde même fantasy ou quoi, un truc de vampire. C'est de la boisson qui se vend en public, et donc du coup les humains doivent cohabiter avec des vampires, et du coup bah, c'est... Comment t'expliquer qu'en fait c'est une sorte de Twilight pour ado, quoi, empire, quoi. C'est-à-dire que t'as... C'est Non mais c'est littéralement t'as... Twilight, mais bizarre, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que c'est littéralement t'as la meuf qui est en mode, oui, j'entends, j'ai des pouvoirs psychiques, je peux entendre l'esprit des gens. Elle rencontre un mec, en fait c'est un vampire, donc du coup elle tombe amoureuse parce qu'elle ne peut pas entendre ses pensées. Le mec il est charmeur et tout, voilà. Après t'as littéralement un change-forme, donc du coup t'as un mec qui peut se transformer en chien, comme dans Vampires de Mascarade. T'as d'autres créatures, comme dans Vampires de Mascarade. T'as d'autres clans, comme dans Vampires de Mascarade. Mais il n'y a pas de. Et le sang, littéralement le True Blood, la boisson, tu la vois une seule fois. Et La c'est tout! boisson. Toute la saison, tu n'entends plus parler! Mais ouais, non, True Blood, c'est l'une des pires séries. Franchement, je préfère revoir Twilight plutôt que de revoir True Blood. Hein. Une arnaque. Ah ouais, tu préfères... Ok. Ah oui, non, Ok, premier degré, je oui. peux pas...
Parce que j'ai toujours entendu du bien de cette série, et donc je me disais, non. Bon bah ça leur fait plaisir, tant mieux, mais ça m'a jamais attiré d'ailleurs. Le seul point positif que je peux te sortir, et là tu vas très vite comprendre pourquoi, c'est qu'il y a Malicia. Oui, l'actrice. Ouais, mais... donc du coup quand je l'ai vu, j'étais en mode, oh, elle a changé, oh! Et quand je l'ai vu tomber dans le panneau, j'étais en mode, allez, c'est bon, arrêtez, quoi. Après, j'ai une pote qui lit beaucoup de livres et tout, elle est fan de vampires. Donc, du coup, elle m'a bien dit qu'en fait, la série évolue au bout de la troisième saison. J'étais en mode, non, non, non. C'est comme, non, je vais pas attendre trois saisons pour que ça y est, il y a des changes de forme, etc. et tout, non. Et si tu vas devoir attendre longtemps. Ah ben non, j'ai abandonné. Hein. J'ai pas envie de payer sur Amazon Prime pour la saison 2, merci. Alors, j'ai augmenté mon stuff, quoique je mens. Si c'est bon, non, j'ai augmenté mon stuff, donc je passe à la mission suivante. Et je dois aller traquer du sang V. Du sang P. Et Rémilien. C'est quoi le but du jeu? Alors le but du jeu, parce que du coup c'est la question que tu m'avais posé tout à l'heure. Le but c'est de flinguer Dracula. D'ailleurs, alors ça m'a trigger parce que c'est le petit point que je ne comprends pas dans le scénario. Attends, c'est vraiment ça le but? Non mais en fait au début les vampires se font chasser par les humains. Donc là on est en mode ah. Au secours, les humains nous ont massacré, machin, etc. Donc ouais. Tu te réveilles, tu te dis, ta vengeance c'est de flinguer tous les humains et faire comprendre à ces derniers que t'es le roi du monde. Mais en même temps, tu veux aussi flinguer Dracula. Est-ce qu'il n'y a pas un détail dans le lore qui explique que Dracula c'est un souverain et tout, qui va être le seul vampire? Mais en fait, c'est que, alors peut-être, oui, sûrement, sauf que c'est pas dit. Du coup, la bande-annonce, elle est un peu en bah, tu dois te réveiller et te venger des humains, d'accord, soit, et t'apprends plus tard que du coup, bah, les vampires, c'est aussi pas tes potes. Enfin, je croyais qu'on était potes dans l'histoire, je comprends pas. Château en pierre tout autour pour faire pas atteindre toi. Ah, ok, d'accord. Deux salles, deux ambiances. Attends, je comprends pas, c'est quoi qu'il me faut en fait? Cliquez sur quoi? Là, t'en es où? Ah non, c'était là, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Tu fais ton armure? Oui. Je change mon pantalon. Il faut de la peau résistante, ok. Elles sont belles tes lunettes. Où est-ce que tu les as eues? Putain! Je vais pas aller voir un coiffeur. T'as de la peau résistante ou pas? De la quoi? Est-ce que t'as de la peau résistante? Attends. S'il te plaît. Oh, tiens. Non. Je vais t'en donner tout le loot. Oh là là. Oh là là. 9000! What the fuck! Ah, on va pas en louper, hein. Pose pas de questions, je crois. J'ai volé à 2-3 personnes à côté. Oh la vache. Attends, mais c'est alors, pas. Je pose le loot. Les 2-3 personnes à côté, tu parles de moi, là? Du coup, alors, la mission. Ah, c'est vrai qu'il y a du fer, enfin du cuir et tout. Planche, ensuite de pierre. Tu sais quand même qu'on est bête, c'est que on se cachait du soleil et tout, alors qu'on a les bras zéro. C'est vrai, mais il nous faut des os pour activer ça. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, c'est là où du coup tu rentres dans cette phase du. Il faut créer une machine à rats, ces rats vont te donner des os, les os vont te faire allumer ça. Le truc, ouais. Alors là, ce qu'on va faire, est-ce que t'as tout et tu dois chercher du sang V? Encore non, je dois être niveau 20 en stuff. Ok, alors pour ça, il faut que tu. Bah non. Ah, mais comment ça? Il faut que j'augmente mon stuff là, même suivage. Mais t'as une nouvelle épée, tu as toute l'armure complète. Ah, il te manque les bras. Oui. Non, j'ai tout. C'est juste que c'est mon stuff qu'il faut que j'augmente. Il me faut du coup des planches et. Oh, c'est bon. Ça. Comment ça il te faut des planches? T'inquiète. Ah, et puis il te faut augmenter une arme? Je me prépare à la guerre. D'ailleurs, ça va être quoi ton gameplay que je sache un peu Je sais pas. Il coûte combien le jeu, pardon, excuse-moi, bien. Il coûte 30, non? 30 euros, je crois, ouais. Petit jeu indé, hein, faut préciser aussi.
Legendaire, multi ou solo, tout dépend de ce que vous voulez. PVP, Là, il y a un PVE. serveur, si vous voulez venir, vous pouvez venir. C'est pour ça, oui. Il coûte 35 euros exactement, ouais. Et Merci les Hero DLC, 7. pour l'instant, les DLC ne sont que cosmétiques, et tant mieux. Ouais, donc pas la peine de rush sur les DLC pour être les meilleurs, c'est pas utile du tout. Pour être plus beau, oui. Pour être Ah. meilleur, non. Ça, par contre, par rapport au château de Castlevania, oui, ça c'est masterclass. Ouais, mais j'étais en train de me dire quand on aura bien avancé, à la limite, pourquoi pas, ça peut être intéressant parce que j'ai aucun DLC pour l'instant. Bah, pour l'instant, on a le truc d'Halloween, c'est gratuit. Après, si c'est vraiment que cosmétique, en vrai. Oui. On verra in-game. Il me faut du sang V. Alors, en plus, ça tombe bien parce que t'as fait une lance, donc c'est très smart. La lance, c'est plus de dégâts sur les créatures. Alors, je vais pas me vanter, mais j'ai un petit air de Henry Cavill de Mission Impossible 7 avec la moustache. Ah oui! Non, attends, j'ai dit Henry Cavill, oui, c'est bien ça, oui. Oui, c'est Henri Cavill, Ouais, j'ai Mission confondu avec Impossible. Mark Hamill, je suis en mode non, c'est pas le même. Alors, pas du tout. Enfin, il y en a un qui est Superman, il y en a un autre qui est le Joker. D'ailleurs, c'est Mark Hamill qui fait la voix du Joker dans Multiversus. Oui, j'ai entendu parler, et en plus ça s'entend, donc... Et d'ailleurs, grosse surprise, pour ceux qui ont joué à la bêta de Multiversus, si vous jouez à Multiversus le jour de sa sortie, vous avez droit au Battle Pass, gratuit. Enfin, la première saison, bien sûr. Du coup, vous avez droit à Jason en première saison. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, je suis très content. C'est un bon coup marketing en plus, donc ouais. Oh, tu entends. Par contre, j'y pense, Warner, ils ont les droits sur Harry Potter. C'est quand qu'il arrive dans Multiversus, lui? Warhammer? Non, Ah, non, Warner! Harry Potter, Warhammer. Ah, bah, je pense qu'ils vont sortir dans pas longtemps. Oh, j'espère. Ça va, il est bon le sang niveau 100 là? Il est clean! Ouais, Tu peux le voir à l'écran. Regarde vraiment l'écran, il est clean! Il est bien propre, bien lisse! attends, c'est quoi ton interface? Ah, tu joues sur manette? Wow, mais ça n'a rien à Ouais. voir! Ah oui, c'est. Alors le pire, c'est pour bouger ma caméra, je dois appuyer sur Y ou triangle et je dois bouger ensuite les gâchettes derrière. Hein? Ouais, pour bouger la caméra, juste la caméra, je dois faire ça. J'appuie sur deux touches en même temps. Ah ouais, d'accord, c'est un peu... Ouais, ok, bon. C'est un peu sportif, on va pas se mentir. Ah, ça débloque le plan miroir, ce qu'on va faire, d'accord, ok. Mais attends, mais Plan j'y pense. mouvement de. Traquer un porteur de 100V avec le menu 100V, attends. Oui, il faut. Alors tu vas. Mais ça, tu le sais, normalement, tu l'as eu dans la bêta. 100V, traquer le 100. Voilà, ok, c'est bon. Et Edmond Premier, il te demande de faire le mouvement de bras à la Henri Cavill. Sinon, c'est pas validé. Oh, ce putain de... Ah oui, avec sa chemise toute serrée dans les toilettes. Là... Ah, toi, je suis mort à cause de toi. Niveau 30, ok, on va te laisser en fait. Eh! tu t'en sors? Ouais, c'est pour ça que des arbres me bloquent. Ah! Je sais qu'il y a des flingues. Je veux savoir comment on joue les flingues dans ce jeu. Je suis trop curieux. Je ne peux pas parler. C'est quoi? Je suis muet par le loup qui arrive. La prochaine monture. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Il y a un niveau 36 si tu veux. Non, Par non, contre, je... si c'est un 100, 136. Non, non, j'ai encore mon niveau 61 pour l'instant. 72. Ah. Viens par là! C'est combien? 52? Oh, il y a des bébés! Ok, je touche pas ça. Pourquoi? Parce que bébé plus haut level est égal mort. Donc, Si bébé égale maman, donc du coup, ça veut dire gros carnage. Vraiment, le calcul est très simple. Ah, il y a un ours qui te suit, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Attends, mais il est où ton sang alors, faut là? savoir que quand tu adoptes la monture, du coup la transformation pour être plus précis, tu passes aux yeux de tout le monde qui ont le même aspect que toi. Tu vas vite savoir de quoi je parle. Dans quelques minutes. Oh! Oh, il y a Ah! du loot gratuit! Ah bah attends, je me souviens plus qu'il y avait un voleur dans le jeu. Un voleur. Ouais, il se téléporte, il se met invisible et tout.
Ah oui, d'accord, ok, oui, je viens de comprendre. Hey, j'ai récupéré du papier. Je m'enfuis. Ah, mais c'est un camp, d'accord, je comprenais pas. Ok, je suis à côté d'un camp en fait. Et quand tu regardes sur ta carte, tu Oh, mais peux t'es là! voir ce que le camp te donne en... Oula, il t'a fait mal. Ouais! Proche, il est pas loin. Je sens la bête. De Alors. sentir sa fourrure. Ça, c'est ma tourte. Oula! Il est où? Je comprends pas. Parce que je trouve que ça spawn pas assez vite la traque. Et surtout qu'elle est loin maintenant. À l'époque, c'était à côté, quoi. Je savais pas qu'il fallait faire tout le tour de la map pour trouver le truc. Ah, il est là. Il est vers le sud. J'arrive, je prends des ressources. Oui, t'inquiète. Ah, mais j'ai vraiment mal en fait. Qui? Moi? Oh, c'est du poison! Oh, diantre. Non! Oh, c'est bon. Et te réanime pas si jamais tu meurs. Ouais, t'inquiète, parce que là, je sais pas où est le dernier point, mais ça va être très loin. J'ai faim! Groupe sanguin modifié. Mais attends, mais comment je. Attends, c'est quoi déjà pour régène? Ah, il faut que je sois hors de combat, c'est Tu ça? t'enroues et tu dois. De la même manière que t'as voulu donner ton sang. Ah oui, c'est vrai. Il est où là? Je comprends pas. Très proche. C'est là-bas. Bonsoir. Je vois quelqu'un, il est tranquille entre les arbres. Oui, je me repose Si un tu peu cherches là. tes tomates et tout, tu vois un mec à côté. Rien. Tanière de vie. Ah bon? Ok, bizarre. Eh mince, j'aimerais. Alors, il y a un monde où peut-être falloir qu'on le bute deux fois, mais je suis pas sûr de cette J'étais information. en train d'y penser parce que vu que c'est tous les deux pas la même cible, enfin c'est la même cible, mais. Attends, c'est vers où? C'est Et là-bas. qu'on gagne pas le même loot, ouais, ça me casse la tête. Hein. Eh ben, tu sais quoi? Vampire comme vampire, donc du coup, le premier qui arrive, le premier servi. Hein. Ah, j'ai trouvé. Oh non, il y a le soleil! Oh, diantre. T'arrives à te battre dans les arbres ou pas? À l'emmener dans les arbres? Je suis en plein ombrage, donc. Ok. On va essayer d'accélérer le combat. Amène-toi. Allez! Appelle tes collègues, hein. Pas de soucis. Ah, vas-y, appelle tes potes danger, là on les attend. Hop, on utilise ses spells. Hop, putain. C'est du papier ça? J'ai Ah, c'est du l'impression. papier, parfait. Ouais. Oh, merde! Ah, elle essaie de me bouffer! Allez! Bah arrête, hein. Tu griffes, Milord. Vas-y, bouffe-le. Bah vas-y, que ça s'en sent. Non, non, vas-y, bouffe-le. Attends. Bon, ça va. Je sors la paille. Ça a compté pour toi? Oh putain, fais chaud! J'ai chaud! J'ai chaud! Ça a compté pour toi ou pas? Bah, la mission a été comptée. Ouais. Mais. Tu es là-haut de. Oh oui! Ça a marché? Let's go! Oh, c'est pété, vas-y! Let's go! Oh, tant mieux! Heureusement qu'ils ont fait ça! Ouais, c'est pas clair, mais c'est clair en même temps. Bon, le jeu est cassé, mais pas trop. Ça va, c'est rattrapable. Bon, on fait quoi du coup?
Il y a deux Alors, loups à côté de la forêt. Alors on fait quoi? Ah, j'ai chaud, j'ai chaud. alors, je propose. Attends, parce qu'il y a le 100V supérieur, ça a trois niveaux dessus, mais c'est pas impossible. Et c'est quoi? Se faire... On peut avoir une captainerie et des pouvoirs de glace, un coffre plus gros et un pouvoir du chaos. Parce Ah que le truc oui. violet, c'est les pouvoirs du chaos. Dis-toi qu'avant c'était une roue, hein. C'était pas un système de niveau, c'était littéralement une roue et tu dois traquer la cible. Et après tu devais apprendre toi-même lequel était faible, etc. Enfin lequel était faible à ton niveau, etc. Oui, ça je me rappelle très bien. Là, ils ont posté ça en mode une sorte d'arbre qui ne peut pas se dévoiler tant que tu n'as pas le niveau. Ça c'est cool. Ah Et oui, du augmenter coup, votre niveau, ouais. c'est ça. Et du coup, si jamais t'es niveau, je sais pas, 90, et tu retires ta pièce d'équipement qui fait 20 et tu te retrouves à 70, tous les ennemis qui sont au-dessus, ils seront bloqués. Parce que tu n'es pas considéré comme fort. Donc c'est un détail, mais c'est toujours important de savoir. Ils sont tous niveau 23, c'est ça, hein? Redoutable, ouais. Ouais, les trois au-dessus, ouais, ils sont niveau 23. Mais ils ont du truc important. Genre, lui, si on fait vérifier compétences, établit menuiserie. Ah non, en vrai, ça c'est de la merde, ça. Mais le pouvoir, il peut être intéressant. Le Y a... coffre, c'est réserve de matériaux. Et ça peut être intéressant. Parce que Ouais. du coup, on pourra mettre automatiquement le matériau à l'intérieur. Et ils seront triés automatiquement. Après, pour Et. les soucis de gameplay et de classe, je te dirais de faire en premier Rufus, mais après, c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. C'est toi, mon maître! Attends, de classe, c'est-à-dire tu veux avoir l'arbalète? J'aimerais bien avoir l'arbalète, ouais. Bah, on peut faire ça alors. Après, Par contre, oui. il y a des très fortes chances qu'on peut tomber dessus par pur hasard en marchant, les mecs, hein. Oui, mais après, si tu fais le sniff-niff du V100 là, normalement, tu devrais pas tomber sur eux de suite. Est-ce que si je fais sniff-niff, attends. Ou sniff-niff. Oui, je dis sniff, mais je Ah savais pas comment l'appeler. Ah! ouais, Oh, mais. si, Rufus, il est là! Rufus, il est là! Rufus, il est là! Je l'avais dit! Ah, je brûle! Je le savais qu'il était à côté, je l'ai senti! Oh! Let's go! Non, tu devrais pas le faire! À part si tu fais sniff, tu devrais savoir identifier. Ouais, non, monsieur. Pas pur hasard, je pense. N'oublie pas Pas. ton bouclier, n'oublie pas ton bouclier. J'essaye, il y a beaucoup de monde en fait. Pas de soucis. Ah Oh, oh t'es. non, je me suis fait catch. Ah, attends, je vais essayer de... Oh, du loot. Attends, je me loot. Après, je viens de sauver. Ah, pas par là, il y a du soleil. Ah, il pense que c'est... Ah, non, non, pas Non, par non, là. t'auras pas le temps, t'auras pas le temps. Prends ton temps, vas-y, j'ai encore toute ma vie devant moi. Enfin, presque. Attends, je me soigne deux spies. Ok. Il m'a fait. J'ai oublié qu'on était en niveau brutal, donc du coup, c'est dur. C'est très dur. Ok, lui je l'ai flingué. Lui il sait pas utiliser son bouclier. Oh, la lune! La lune! Oh oui! Parfait ça. Quand il va faire nuit? Quand il fait nuit? Ouais, il va faire nuit, il va faire Oh, nuit. chance! Donc là je vais pouvoir réanimer plus facilement. C'est super long! Il va se mettre dans un angle. Il est trop débile. Oh! Il est trop débile! Parfait. Let's go. Ah, Hop. putain! Revive. Let's go. Ok, c'est bon. Je me soigne de spi. Vas-y, 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 moi aussi, je fais pareil. Vas-y, je vais prendre l'aggro. Oh, mais toute la barre de vie, t'es sûr que tu veux pas qu'on revienne plus tard? Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ah, je suis au Do niveau you max? believe Oh in merde. yourself? Ah, yes, yes, yes. Before all of you. Oh! Ouais, fais gaffe au truc. Là, j'en suis un. Après, tu sais, midlife, il va lâcher des orbes, donc on va pouvoir se régénérer dessus. Ah, c'est bon. Et n'oublie pas de te prendre des fois de temps en temps son attaque quand tu as ton bouclier pour te régénérer dessus. C'est vrai, c'est vrai. Ah merde. Hop. J'ai pas prévu ça. Bon, Taïo. C'est... Giga Maxi Kill. Ah! Non! Non, attends. Je fais les sbires. Oh, je suis mort! Ah, c'est trop dur. Technique.
Laisse tomber, laisse tomber, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Non, je suis pas mort. Le temps que tu régènes ta vie et tout, Non, t'inquiète, je suis pas mort. I'm not dead yet. Je suis déjà mort, mais je veux pas mourir deux fois. Ah, t'as tenté un truc, là, on l'a vu. Hop. Hop, t'es un peu loin. Prends ton temps, prends ton temps. Je suis même pas à la moitié de la barre, vas-y, vas-y. Ah ouais? Oh, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ok, ils me suivent, c'est très bien. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais ils me suivent. Oh putain, mais tu joues avec le feu! Ouais, c'est possible. Ah, il appelle tous ses potes et tout, laisse tomber. No! I will never surrender! Oh, mauvaise idée! Annulé! Non! C'est pas grave, on rush et on se le fait direct. Non, mais là, il a régène sa vie. T'as pas vu, mais il a régène sa vie. Hein. Si, j'ai vu. Mais c'est pas ça, je regarde. Ce que je regarde, c'est le loot qu'on aura juste après. Oui, mais bon. Bon, on te dire que j'ai mal. J'ai pas de matinale, j'ai mal. Bah, au pire, ce qu'on fait. À la limite, si tu. Attends, quoi que. Ah, mais c'est vrai qu'on a le loup, donc on peut aller plus vite. Ouais, alors il y a le loup. Mais surtout, ce que je propose, c'est qu'on va récupérer notre stuff. On va pas le laisser par terre quand même. Bah, c'est... Ouais, j'ai pris du bronze et j'aimerais bien le récupérer et le mettre dans une forge. J'y vais, je suis juste à côté, je crois. Je sais pas si t'as bloqué le même point que moi. Attends, c'est où? Ah, c'est un cimetière. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, les cimetières, je crois, ils sont jamais exposés au soleil. Oh là, oh, c'est gauche-droite, oh putain, oh la vache. C'est un boss. Ah non, c'est juste que j'évite tous les missiles, là, c'est le 14 juillet, au secours, attendez, par là-bas, oh, c'est bon. Le speedrun, au secours. Bon. J'appuie sur quoi, moi? Je te laisse récupérer, Je suis à côté, ouais, je suis en train de passer à côté du lac. Ok. En espérant que j'ai les poches assez grandes. Je pense que oui. Après, j'ai mis des piles, j'ai mis des trucs qui s'empilent facilement, donc ça va le faire. Ah, mais les humains m'attaquent pas quand je suis en loup, ah ouais? Tristan, le chasseur de vampires. Eh bah, enchanté, mais on va pas se battre. Ah, je sais qui c'est. C'est un emmerdeur. Oui. Oh putain, j'ai tout pris. C'est bon. T'as tout pris? Ah, c'est bon, je m'en vais. Ah, là-bas. Je retourne au château. Ça marche. C'est vrai que c'est fait quoi son thé déjà? Permet de hurler comme un loup vampire plus exactement. D'accord, et ça sert à quoi? Je sais pas si ça ramène des loups ou pas. Ou ça effraie les ennemis, genre ça donne des malus. Non, rien du tout. Ok, bon bah c'est un peu éclaté. Juste pour la classe. Après, c'est dans le lore, c'est dans le lore de Dracula, donc. Ouais, d'ailleurs, ça m'avait un peu perturbé au début, mais après, je m'étais dit. En vrai, Dracula, il se transforme un petit peu, donc ça va, c'est pas si déconnant. C'est, en fait, c'est surtout la série sur Netflix qui m'a vraiment perturbé. La série en 3 épisodes? Oh ouais, bah, par les showrunners de Doctor Who, du coup. Donc, du coup, j'étais déjà super surpris. Ah. Le premier épisode était incroyable, à part de la fin, j'étais en mode d'accord. Et ouais, quand tu le vois, déjà l'acteur qui joue Dracula, il est incroyable. Il a vraiment la tronche à jouer Dracula. Et quand tu le vois se sortir du corps de loup avec la chair et tout, je suis en mode « Oh ouais !» Et après, je suis en mode « Attends, mais c'est logique hein ?» J'avoue qu'ils sont, ils ont bien bossé le sujet. Je sais pas si t'as vu un peu la campagne publicitaire qu'ils avaient fait autour de ça. Si, j'avais vu le billboard avec l'ombre, là. Oui. C'est seulement la nuit que tu vois la vérité. De... Oh, une calèche. C'est intéressant pour le coffre qu'il y a derrière, mais ça peut être un peu long à taper parce qu'il y a des ennemis tout autour. Il y en a beaucoup, ouais. Donc, toi de voir comment tu veux gérer la situation. Ah, je peux pas. Ah putain, on n'a pas de téléporteur au château, merde. Pas pour l'instant. Ah ouais. On
La mêlée. Oh! On est combien? 500? Ok, c'est pas beaucoup, mais. Mieux que rien. Ah, bah, laisse tomber, il y a le golem de pierre qui se fait déjà défoncer. Donc, je vais attendre un petit peu pour la calèche. Où est-ce que t'es? Je suis. Ah, t'es juste derrière. Oh, pas loin, pas loin. Tu veux une télé? Non, 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 ils sont en train de se battre avec la. Y'a le loup qui a volé. Non, le golem de pierre a pratiquement plus de vie et y'a plus personne sur la calèche. Du papier, des cœurs, du bois. Ah, je fais zéro dégâts sur le golem par contre. Attends, mais le golem a changé? Comment ça se passe?